Phèdre, mon ami, où vas-tu donc et d'où viens-tu ? Je viens, Socrate, de quitter Lysias, le fils de Céphale, et je vais de ce pas me promener hors les murs. C'est que j'ai passé auprès de Lysias plusieurs heures d'affilée, assis depuis le petit jour. Et suivant les conseils d'Acoumène, ton ami et le mien, c'est sur les grands chemins que je me promène. D'après lui, en effet, il est plus tonifiant de s'y promener que dans les gymnases. Il a bien raison, mon ami. Mais au fait, cela veut dire que Lysias est en ville? Oui, chez Épicrate, dans cette maison qui se trouve près du temple de Zeus Olympien, la maison de Morikos. Mais alors, à quoi passait-on le temps? Lysias vous régalait sans doute de ses discours? Toi, tu le sauras si tu prends le temps de venir plus loin et de me prêter l'oreille. Quelle idée! Suis-je à tes yeux, comme dit Pindare, homme à mettre quelque chose au-dessus d'une occupation qui ne souffre pas d'être différée? C'est-à-dire, écoutez ce à quoi vous passiez votre temps, toi et Lysias. Alors, avance. À condition que tu parles. Sache que ce que tu vas entendre, Socrate, te concerne tout particulièrement. Car, vois-tu, la question traitée avait, je ne sais comment, rapport à l'amour. Effectivement, Lysias a composé un écrit qui porte sur la séduction d'un beau garçon, mais pas par un amoureux. Voilà bien où réside son ingéniosité. Il soutient en effet qu'il vaut mieux accorder ses faveurs à celui qui n'aime pas plutôt qu'à celui qui aime. Noble cœur. Si seulement il écrivait qu'il faut donner la préférence aux pauvres plutôt qu'aux riches, aux vieux plutôt qu'aux jeunes, sans parler de tout ce qui en outre nous concerne, moi et la plupart d'entre nous, ce serait sans nul doute propos de gens civilisés et qui plairaient au peuple. Pour ma part, en tout cas, j'ai une telle envie de t'écouter que, même si ta promenade te mène à pied jusqu'à Mégare et que, après être monté sur les murs, comme le recommande Hérodicos, tu reviens à Athènes, je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce à dire, excellent Socrate? Te figures-tu qu'une composition qui a demandé tant de temps et d'études à Lysias, le plus habile des écrivains actuels, pourra être récitée par cœur par le profane que je suis, d'une façon digne de cet homme-là? J'en suis bien incapable. Et pourtant, oui, je le soutiendrai plus que de recevoir beaucoup d'or. Phèdre, si je ne connais pas Phèdre, c'est que j'ai oublié ce que je suis moi-même. Mais non, il n'en est rien. Je sais bien que, s'agissant d'un discours de Lysias, Phèdre ne s'est pas contenté d'une seule audition, mais que, revenant souvent à la charge, il a demandé à Lysias de répéter le discours, demande à laquelle Lysias a acquiescé avec empressement. Mais ce n'était même pas assez pour Phèdre. Il a fini par prendre le rouleau de papyrus. Il a revu les passages qu'il désirait le plus revoir. Puis, parce qu'il en avait assez d'être resté assis depuis le petit jour à faire ce travail, il est parti se promener. Et j'imagine bien par le chien qu'il sait le discours par cœur, à moins que ce discours ne soit très long. Il s'était mis en route pour aller s'exercer hors les murs. Or, voilà qu'il tombe sur cet homme, pour qui la passion d'écouter des discours est une maladie. En voyant cet homme, il s'est réjoui de trouver quelqu'un avec qui partager sa transe corybantique. Et il l'a invité à l'accompagner dans sa promenade. Mais comme cet amoureux de discours le priait de parler, voilà qu'il faisait des manières, comme s'il n'avait vraiment pas grande envie de parler. Et pour finir, il était sur le point, si on ne consentait pas à l'écouter, à se faire entendre par force. Demande-lui donc, Phèdre, mon ami, de faire dès maintenant ce que bientôt, de toute manière, il ne manquera pas de faire. Pour moi, en vérité, le meilleur parti est de loin et de parler comme je pourrais, car je ne crois vraiment pas que tu
me laissera partir avant que je n'aie, d'une façon ou d'une autre, pris la parole. En effet, tu vois tout à fait juste sur mon compte. Je ferai donc comme j'ai dit. En tout cas, Socrate, il est bien certain que je n'ai pas appris le discours mot à mot. Mais je vais, en m'en tenant au sens général, t'exposer de façon sommaire, point par point, dans l'ordre, à peu près tout ce qu'a dit Lysias sur ce qui distingue l'homme qui aime de celui qui n'aime pas, en commençant par le premier point. D'accord. Mais commence, cher ami, par me montrer ce que tu tiens dans ta main gauche sous ton manteau. Je suppose en effet que c'est le discours lui-même. Or, si c'est cela, mets-toi ceci dans l'esprit me concernant. Je t'aime beaucoup, mais puisque Lysias est ici présent, je ne tiens nullement à te donner l'occasion d'un exercice. Allons, fais voir. Arrête. Tu m'as fait perdre, Socrate, l'espoir d'essayer mes forces en ta présence. Alors, où souhaites-tu que nous allions nous asseoir pour lire ? Quittons ici la route et suivons l'île Lissos. Après, quand l'endroit te semblera tranquille, nous nous assoirons. J'ai bien fait, me semble-t-il, de venir pieds nus. Toi, bien sûr, c'est ton habitude. Ainsi, pourrons-nous facilement suivre ce filet d'eau en y trempant les pieds. Et ce ne sera pas désagréable, surtout en cette saison de l'année et à cette heure du jour. Eh bien, avance et cherche en même temps un endroit où nous asseoir. Tu vois là-bas ce très haut platane ? Oui, bien sûr. Il y a de l'ombre, de l'air frais et de l'herbe pour nous asseoir, ou, si nous le désirons, pour nous étendre. Si tu avançais. Dis-moi, Socrate, n'est-ce pas dans les parages que de Lilissos raconte-t-on, Borée enleva Oriti ? C'est bien ce qu'on raconte. Ah, c'est donc ici. En tout cas, ces filets d'eau paraissent avoir du charme et être purs et limpides. Et leurs bords sont bien faits pour que des jeunes filles viennent s'y divertir. Non, c'est plutôt en aval, à 2 ou 3 stades, à l'endroit où nous passons Lilissos pour aller vers le sanctuaire d'Agra. Il y a justement là, je crois, un hôtel de Borée. Ah ben non, je n'y ai jamais fait attention. Mais par Zeus, dis-moi, Socrate, tu crois, toi, que ce que ce mythe raconte est vrai? Eh bien, si j'en doutais comme les doctes, je ne serais pas un original. Cela m'amènerait à déclarer doctement qu'un coup de vent boréal a fait tomber Oriti du haut des rochers voisins alors qu'elle jouait avec Pharmacée, et que ce sont les circonstances mêmes de sa mort qui expliquent le récit de son enlèvement par Borée. Pour ma part, Phèdre, j'estime que des explications de ce genre ont du charme, mais il y faut trop de génie, trop de labeur, et l'on n'y trouve pas le bonheur, ne fût-ce que pour cette raison. Quand on a commencé, on est obligé de rectifier l'image des hippocentaures, puis celle des chimères. Et nous voilà submergés par une masse de créatures de ce genre, Gorgone ou Pégase, par une multitude d'autres êtres prodigieux, autant que par l'étrangeté de créatures monstrueuses. Si on est sceptique, et si on veut ramener chacun de ces êtres à la vraisemblance, et cela en faisant usage de je ne sais quelle science grossière, la chose demandera beaucoup de loisirs. Or, je n'ai absolument aucun loisir à consacrer à cet exercice, et en voici la raison, mon ami. Je ne suis pas encore capable, comme le demande l'inscription de Delphes, de me connaître moi-même. Dès lors, je trouve qu'il serait ridicule de me lancer, moi, à qui fait encore défaut cette connaissance dans l'examen de ce qui m'est étranger. Voilà donc pourquoi je dis au revoir à cet exercice, m'en reportant sur le sujet à la tradition. Je déclarais à l'instant, ce n'est pas ces créatures que je veux scruter, mais moi-même. Se peut-il que je sois une bête plus complexe et plus fumante d'orgueil que Typhon ? Suis-je un animal plus paisible et plus simple qui participe naturellement à une destinée divine et qui n'est pas enfumé d'orgueil? Mais à propos, mon ami, n'est-ce pas l'arbre vers lequel précisément tu nous menais? Oui, c'est bien lui. Par Héra, le bel endroit pour y faire halte. Oh oui, ce platane étend largement ses branches et il est élevé.
Ce gâtillier, lui aussi, est élevé, et son ombre est merveilleuse. Comme il est en pleine floraison, il ne peut embaumer ce lieu davantage. Bien plus, une source, on ne peut plus charmante, coule sous le platane, et son eau est bien fraîche, comme l'atteste mon pied, en tout cas. Elle est consacrée à des nymphes et à Kélos, si l'on en juge par ses figurines et par ses statues. Vois, s'il te plaît, comme ce bon air qu'on a ici est agréable et vraiment plaisant. C'est le chant mélodieux de l'été qui répand au cœur des cigales. Mais la chose la plus exquise de toutes, c'est l'herbe. La douceur naturelle de la pente permet, en s'y étendant, d'avoir la tête parfaitement à l'aise. Un étranger ne peut avoir meilleur guide que toi, Phèdre, mon ami. Toi, en tout cas, homme admirable, tu es bien l'être le plus déroutant qui se puisse voir. Tu as vraiment l'air, comme tu le dis, d'un étranger qu'on guide, et non de quelqu'un du pays. Il est de fait que tu ne quittes la ville ni pour aller au-delà des frontières, ni même, si je m'en crois, pour aller hors les murs. Excuse-moi, mon cher, c'est que j'aime à apprendre. Or, la campagne, les arbres ne souhaitent rien m'apprendre, tandis que les hommes de la ville le font, eux. Toi, pourtant, tu sembles avoir trouvé la drogue pour me faire sortir. Je suis en effet comme les bêtes qui ont faim et que l'on mène en agitant devant elles une branche ou un fruit. Ainsi fais-tu avec moi, en tendant devant moi des discours écrits sur un rouleau de papyrus. Tu vas, semble-t-il, me promener dans toute l'Attique et ailleurs, encore selon ton bon plaisir. Pour l'instant, en tout cas, puisque je suis parvenu en ce lieu, j'ai l'intention, moi, de m'y étendre de tout mon long. Toi, cherche la position que tu imagines être la meilleure pour lire, et quand tu l'auras trouvée, lis. Bref, il faut accorder ses faveurs à celui qui n'est pas amoureux plutôt qu'à celui qui l'est. Bon, d'accord. Voilà donc comment je vais faire, moi. Je te donnerai pour point de départ cette thèse. Celui qui aime est plus malade que celui qui n'aime pas. Et pour le reste, si tu tiens un discours différent, qu'il soit plus plein et plus riche que celui de Lysias, il faudra te dresser une statue en or martelé à côté de l'offrande des Cypselides à Olympie. Tu es sérieusement contrarié, Phèdre, parce qu'en voulant te taquiner, je me suis attaqué à tes amours. Et tu te figures que je vais réellement tenter de rivaliser avec le savoir-faire de cet auteur en disant quelque chose de neuf et de plus varié. Sur ce point, mon ami, tu viens de me donner prise à ton tour. Tu n'as plus qu'à parler et à t'en tirer comme tu pourras, pour éviter d'en être réduit en échangeant nos rôles au style vulgaire des comédiens. Gare à toi et ne va pas me réduire à répéter les paroles. Ô Socrate, si je ne connais pas Socrate, c'est que j'ai oublié ce que je suis moi-même. Et encore, il avait grande envie de parler, mais il faisait des manières. Considère plutôt que nous ne partirons pas d'ici avant que tu n'aies dit ce que tu prétends avoir dans le cœur. Nous sommes seuls, l'endroit est désert, je suis le plus fort et le plus jeune. En un mot, à bon entendeur, salut. Ne choisis pas de subir la contrainte. Parle plutôt de plein gré. Mais, bienheureux Phèdre, je vais être ridicule. Moi qui suis un profane, si je m'oppose à un auteur accompli en improvisant sur le même sujet. C'est une chose. Cesse de faire des manières avec moi.
Je crois bien tenir le mot qui t'obligera à parler. Alors garde-toi de le prononcer. Non. Je le prononce au contraire et tout de suite. Ce mot, ce sera pour moi un serment. Je te jure en effet, mais quel Dieu, lequel d'autre d'entre eux choisir par ce platane ? Tiens, si tu le souhaites, oui, je le jure. Si tu ne prononces pas ton discours devant cet arbre-là, jamais plus je ne déclamerai ni ne te ferai connaître le discours de qui que ce soit. Oh, comme tu as bien trouvé misérable le moyen de contraindre à t'obéir un homme qui a la passion des discours. Bon, alors, qu'as-tu à tergiverser ? C'est fini. Puisqu'aussi bien tu as fait ce serment, comment pourrais-je m'en priver d'un régal pareil ? Ben, eh bien, parle ! Écoute, sais-tu ce que je vais faire ? Quoi donc ? Je vais parler la tête encapuchonnée, pour arriver au plus vite au terme de mon discours et pour éviter que, en te regardant, je ne perde de honte contenance. Bien, pourvu que tu parles. Pour le reste, hein, fais comme il te plaît. Venez. Vous, muse à la voix légère, si vous deviez ce surnom à la nature de votre chant, ou bien au peuple musicien des Ligures, aidez-moi à entreprendre le récit de ce mythe que m'oblige à faire le très bel ami que voici. Il veut que celui dont il est le fidèle et qui lui semblait déjà un expert, le lui semble encore plus maintenant. Il était donc une fois un garçon, ou plutôt un adolescent d'une grande beauté. Il avait des amoureux en très grand nombre. Or, il y en avait un qui était un malin. Sans être moins amoureux que les autres, il lui avait donné à croire qu'il ne l'aimait pas. Et un jour qu'il le sollicitait, voici précisément ce qui lui fit accroire. On doit accorder ses faveurs à l'homme qui n'aime pas plutôt qu'à celui qui aime. Voici ce qu'il disait. En toute chose, mon garçon, il n'y a qu'un point de départ. Quand on vise à bien délibérer, il faut savoir sur quoi on délibère, autrement c'est forcé. On ne peut éviter une erreur complète. Or, la plupart des gens ne s'aperçoivent pas qu'ils ignorent ce qu'est chaque chose. Aussi, croyant qu'ils savent à quoi s'en tenir, ils ne se mettent pas d'accord au début de la recherche, et à mesure qu'ils progressent, ils le paient comme il fallait s'y attendre. En effet, ils ne sont d'accord ni avec eux-mêmes, ni entre eux. Ne nous exposons pas, toi et moi, à encourir les reproches que nous adressons aux autres. Au contraire, dès lors que la question qui nous incombe à toi et à moi est de savoir s'il vaut mieux entrer en amour avec un homme qui aime plutôt qu'avec un homme qui n'aime pas, établissons d'un commun accord quelle sorte de chose est l'amour et quels sont ses effets, et proposons une définition. Ayons les yeux fixés là-dessus et reportons-nous-y. Tandis que nous examinerons si c'est utilité ou dommage qu'apporte l'amour. Premier point, que l'amour soit une espèce de désir, c'est évident pour tout le monde. Que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même des gens qui n'aiment pas désirent ce qui est beau, nous le savons. Mais alors, à quoi distinguerons-nous celui qui aime de celui qui n'aime pas ? Il faut encore prendre en considération le fait qu'en chacun de nous, il y a deux espèces de tendances qui nous gouvernent et nous dirigent, et que nous allons là où elles nous dirigent. L'une qui est innée, c'est le désir des plaisirs. L'autre, qui est une façon de voir acquise, c'est l'aspiration au meilleur. Or, ces deux tendances qui sont en nous, tantôt s'accordent, tantôt se combattent, et c'est parfois celle-ci qui domine, parfois l'autre. Cela posé, quand c'est une opinion rationnelle qui mène vers ce qu'il y a de meilleur et qui domine, cette domination s'appelle tempérance. Mais quand c'est un désir qui entraîne déraisonnablement vers le plaisir et qui gouverne en nous, ce gouvernement a pour nom démesure. Or,
on le sait. La démesure a beaucoup de noms, car elle présente une grande diversité d'éléments et de formes. Et celle de ces formes qui vient à prédominer sert à nommer l'homme qui la possède. Dénomination qui n'est ni belle, ni honorable. Si c'est le désir de la bonne chair qui l'emporte sur ce que la raison présente comme le meilleur et sur le reste des désirs, voilà la gourmandise. D'où le nom de gourmand qui désignera celui qui a ce vice. S'il s'agit par ailleurs du désir tyrannique de s'enivrer, on sait bien quel nom recevra l'homme entraîné sur cette pente. Et il en va de même pour le reste. Les noms apparentés à cela et qui désigne des désirs apparentés. On voit bien comment, chaque fois que tel désir exerce son despotisme, il convient de les attribuer. À quel désir je pensais en disant tout ce que je viens de dire? Cela maintenant est assez évident. Mais ce qui est dit est plus clair de toute façon que ce qui n'est pas dit. Je dirais donc que c'est ce désir dépourvu de raison, désir qui domine l'élan de l'opinion vers la rectitude, qui se porte vers le plaisir que donne la beauté, et qui, par l'effet des désirs qui sont de sa famille et qui ont pour objet la beauté des corps, se renforce à son tour très fortement. Je dirais donc que c'est ce désir-là qui, devenu penchant irrésistible et tirant son nom de sa force même, a été appelé Eros. Dis-moi, mon cher Phèdre, n'es-tu pas du même avis que moi? Je suis dans un état qui tient du divin. C'est tout à fait mon avis, Socrate. Cela ne t'est pas habituel. Un flux t'emporte. Silence, donc. Écoute-moi, car en réalité, ce lieu me paraît avoir quelque chose de divin, de sorte que si, dans la suite de mon discours, j'en viens souvent à être possédé par les nymphes, ne t'étonne pas. De fait, les paroles que je viens de proférer ne sont pas loin du ton dithyrambique. C'est bien vrai ce que tu dis là. À toi la faute, en tout cas. Mais écoute la suite, car l'inspiration pourrait m'abandonner. Ce sera, après tout, l'affaire du dieu. Quant à nous, revenons au discours qui s'adresse au garçon. Eh bien, mon brave, voilà énoncé et défini l'objet sur lequel il s'agit de délibérer. Sans perdre cela de vue, posons la question suivante. Quel avantage ou quel dommage celui qui accorde ses faveurs peut-il raisonnablement attendre de celui qui est amoureux et de celui qui ne l'est pas ? Oui, celui qui est gouverné par le désir, celui qui est esclave du plaisir, cherche forcément, cela ne fait aucun doute, à obtenir de celui qui l'aime le plus de plaisir possible. Or, l'homme malade trouve agréable tout ce qui ne le contrarie pas et hostile tout ce qui lui est supérieur ou égal. Dès lors, un amant ne supporte pas volontiers chez le garçon qu'il aime supériorité ou égalité. Il travaille au contraire à le rabaisser et à en faire son inférieur. Or, l'ignorant est au-dessous du savant, le lâche au-dessus du brave, l'homme incapable de parler au-dessous de l'homme qui connaît la rhétorique, l'esprit lent au-dessous de l'esprit vif. Quand de tels défauts et bien d'autres encore se développent ou se trouvent naturellement dans l'esprit de l'aimé, l'amant s'efforce, se réjouit des uns et fait naître les autres sous peine d'être privé du plaisir du moment. Il est jaloux, cela va de soi. Il interdit à l'aimé de nouer beaucoup d'autres relations, même utiles, qui contribueraient à faire de lui un homme au sens plein du terme. Il lui cause ainsi un dommage considérable, le plus grand qui soit, en le privant du moyen d'acquérir la plus haute sagesse. Ce moyen, c'est la divine philosophie dont l'amant détourne forcément le garçon qu'il aime, de peur d'en être dédaigné. N'importe quel stratagème lui est bon pour faire que le garçon reste ignorant de tout et qu'il n'ait Dieu que pour son amant. Il trouvera, on ne peut plus agréable, l'aimé qu'il aura réduit à cet état
mais il lui aura fait le plus grand tort. Ainsi, pour ce qui est de l'esprit, celui qui aime est-il un tuteur et un compagnon dont on ne doit rien attendre d'utile. Passons au corps, à sa complexion et aux soins à lui prodiguer. Quelle complexion recherchera-t-il et quels soins prodiguera-t-il à celui dont il sera devenu le maître, lui qui est contraint de rechercher le plaisir de préférence au bien? Voilà ce qu'il faut considérer à présent. On verra l'amant poursuivre un garçon mou et sans muscles qui a été levé non pas en plein soleil mais dans une ombre épaisse et qui est resté étranger aux fatigues viriles et aux sueurs de l'effort, accoutumé qu'il est plutôt à une vie délicate et efféminée, un garçon qui, faute d'en avoir en propre, se pare de couleurs et davantage d'emprunts et qui n'a pour toute occupation que ce qui se rattache à ce genre de vie. Cela saute aux yeux et ne mérite pas d'être développé. Aussi limiterons-nous ce développement en rappelant un point qui est capital et passerons-nous à un autre point. À la guerre, et chaque fois que, en temps de paix, l'aimé doit s'acquitter d'un service important, un corps de ce type inspire en effet l'audace aux ennemis, tandis que les amis du garçon et ses amants eux-mêmes tremblent pour lui. Voilà bien sûr un point qu'il faut laisser de côté tant il est évident. Passons maintenant au point suivant. Quelle utilité et quel dommage, en ce qui concerne ce qu'on possède, doit-on attendre de la société et de la tutelle de l'homme qui aime ? Voici en vérité une chose claire pour tout le monde, surtout pour l'amant. Son vœu le plus ardent serait de voir le garçon qu'il aime perdre ce qu'il possède de plus cher, de plus doux à son cœur et de plus divin. Père, mère, mari, parents, amis, il ne demanderait pas mieux en effet qu'il en fût privé, car il les tient pour des gêneurs et des censeurs de l'extrême agrément que lui procure son commerce avec lui. Ce n'est pas tout. Si le bien-aimé a de la fortune en or ou en propriété d'autre sorte, l'amant le jugera pareillement moins facile à séduire, et lorsqu'il l'aura séduit, moins facile à manier. Il s'ensuit forcément que l'amant est jaloux des garçons qu'il aime, parce qu'il possède quelque chose et qu'il se réjouit de la perte de ce qu'il possède. Il y a plus encore. L'amant souhaiterait que les garçons qu'il aime restassent sans femme, sans enfant, sans foyer le plus longtemps possible, car il désirerait savourer le plus longtemps possible la douceur de ce fruit que représente l'aimé. Assurément, il existe des maux de toutes sortes, mais une divinité a mêlé à la plupart un agrément momentané. Ainsi, le flatteur est une bête redoutable, un terrible fléau. Et pourtant, la nature lui a prêté un certain charme qui n'est pas étranger aux muses. On vous reprochera de fréquenter une courtisane en disant que cela vous a fait du tort. Il en va de même pour une foule de créatures et de pratiques analogues qui, pour un jour au moins, ont le pouvoir de vous donner beaucoup de plaisir. Or, pour les jeunes garçons qu'il aime, l'amant, par sa présence quotidienne, est non seulement un être nuisible, c'est même le plus déplaisant de tous. Oui, comme le dit le vieux proverbe, on se plaît avec ceux de son âge. C'est, j'imagine, que d'être du même âge porte au même plaisir et que de cette similitude naît l'amitié. Et pourtant, même le commerce entre gens du même âge produit la satiété. Autre point. Ce qu'on fait sous la contrainte est forcément considéré comme quelque chose de pesant par tout le monde et en tout. Cela s'ajoute évidemment à la différence d'âge, surtout dans les rapports entre l'amant et le garçon qu'il aime. S'il fréquente un garçon plus jeune, l'amant plus âgé n'accepte de le quitter ni jour ni nuit. Aussi est-ce par la contrainte et par l'aiguillon qu'est mené l'aimé qui passe sa vie à donner du plaisir à l'amant,
lequel voit, écoute, touche et connaît par tous ses sens celui qu'il aime, en somme et en sorte qu'il se met à son service sans défaillance. Mais dès lors, quelle recommandation faire à l'être aimé, quel plaisir à lui donner pour éviter que, pendant tout ce temps qu'il passe en compagnie de l'amant, il en vienne à l'extrême limite du déplaisir parce qu'il voit un physique vieilli et qui n'est plus dans la fleur de l'âge, avec tout ce qui s'ensuit et qu'on répugne à entendre non seulement nommer, et à plus forte raison à pratiquer réellement, assujetti à une contrainte perpétuelle. Il est soumis à une surveillance malveillante et soupçonneuse en toutes circonstances et vis-à-vis de tout le monde. Il s'entend faire des compliments hors de propos et qui passent la mesure, mais des reproches aussi, reproches qui sont insupportables s'ils viennent d'un homme à jeun et qui deviennent non seulement insupportables, mais quand il a cessé d'aimer, on ne peut lui faire confiance pour l'avenir. Cet avenir qu'il invoquait en multipliant les promesses à grand renfort de serments et de prières, lui qui cherchait à maintenir non sans peine les relations du moment, lesquelles étaient fastidieuses en suscitant l'espoir de biens à venir. Voici donc venu le moment de payer sa dette, mais intérieurement il a changé de chef et de maître. Bon sens et tempérance ont remplacé l'amour et la folie. Il est devenu un autre homme, et le jeune garçon ne s'en est pas douté. Aussi lui réclame-t-il le prix de ses faveurs passées en rappelant ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, comme s'il s'entretenait avec le même homme. L'autre, honteux, n'ose pas avouer qu'il est devenu un autre homme. Il ne sait pas non plus comment tenir les serments et les promesses qu'il a fait alors qu'il était sous l'emprise de la déraison. Maintenant qu'il a recouvré la raison et qu'il a retrouvé la santé mentale, il ne veut pas, en se conduisant comme avant, ressembler à l'homme qu'il a été, redevenir le même homme. Il cherche donc à s'évader de ce passé. Et c'est pour lui une nécessité de faire défaut. Lui qui, auparavant, était amoureux parce que la coquille s'est retournée, il change de rôle et prend la fuite. L'autre se voit forcé de courir après lui en s'indignant et en prenant les dieux à témoin. C'est que, dès le début, il ne savait absolument pas qu'il fallait accorder ses faveurs non pas à un homme qui aime et qui, s'efforcé, n'a pas son bon sens, mais bien à un homme qui n'aime pas et qui a tout son bon sens, faute de quoi il se livrerait fatalement à un homme qui ne tient pas ses promesses, dont l'humeur est difficile, qui est jaloux, déplaisant, qui ruine sa fortune, qui a une influence désastreuse sur l'apparence et la santé de son corps et une influence encore plus désastreuse sur l'éducation de son âme, l'âme qui, pour les dieux comme pour les hommes, est et sera toujours en vérité la chose la plus vulnérable. Voilà donc, mon garçon, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête. Sache que l'amour que vous porte un amant ne s'accompagne pas de bonnes intentions, mais qu'il s'apparente à une sorte de faim qui cherche à s'assouvir. Les loups raffolent des agneaux. Voilà ce qu'on pourrait dire des amoureux qui aiment un garçon. Ça y est, Phèdre, tu n'entendras plus un seul mot sortir de ma bouche. Dis-moi maintenant que mon discours est fini. Je croyais pourtant que tu n'en étais qu'au milieu et que tu allais parler de même de celui qui n'aime pas, dire qu'il faut de préférence accorder ses faveurs à celui-là et montrer tous les avantages que cela comporte en retour. Alors, Socrate, pourquoi en rester là? N'as-tu pas senti, bienheureux homme, que je commençais à prendre le ton de l'épopée et que je n'en étais déjà plus au dithyramble? Et cela pour blâmer? Si je commence à faire l'éloge de l'autre, que crois-tu que je vais faire? Te rends-tu compte que les nymphes auxquelles tu m'as livré à dessein vont certainement m'inspirer les transports divins? Je le déclare donc en un mot. Tout ce qui a été vilipendé chez l'un correspond à l'inverse à autant de qualités chez l'autre. À quoi bon se lancer dans de longs développements?
car sur tous les deux, on en a assez dit. Quel que soit le sort qu'il convient de réserver à ce mythe, ce sort, j'y consens. Pour ma part, je vais partir en traversant cette rivière avant que tu ne m'imposes pire contrainte. Ah, oh, pas encore, Socrate. Pas avant que la chaleur ne soit passée. Ne vois-tu pas que bientôt il sera midi, l'heure où le soleil tombe tout droit? Restons plutôt ici, tout en nous entretenant de ce qui s'est dit. Aussitôt la fraîcheur revenue, nous partirons. En tout cas, Phèdre, ton goût pour les discours et divins est vraiment admirable. Voilà mon avis. De tous les discours qui ont été produits de ton vivant, la plupart ne sont dus à personne d'autre qu'à toi, que tu aies prononcé ces discours toi-même ou que tu aies contraint d'une façon ou d'une autre les autres à les prononcer. Je fais exception pour Simias de Thèbes. Mais les autres, tu les surpasses et de beaucoup. Une fois de plus, à mon ami, tu es responsable du fait que j'ai un discours à prononcer. Ce n'est tout de même pas une déclaration de guerre. Mais comment suis-je en cause? Et de quel discours s'agit-il? Comme j'allais traverser la rivière, mon bon, le signal divin, celui dont j'ai l'habitude, s'est manifesté en moi. Or, il me retient toujours quand je suis sur le point de faire une chose. J'ai cru entendre une voix qui venait de lui et qui m'interdisait de m'en aller avant d'avoir expié pour une faute contre la divinité. En fait, tu le vois, je suis un devin. Pas très fort, c'est vrai. Mais à la façon des gens qui savent à peine lire et écrire, j'ai tout juste la capacité qui répond à mes besoins. Oui, à présent je vois clairement où est ma faute. Le fait est, mon ami, que l'âme aussi a bien un pouvoir divinatoire. En effet, il y avait un je ne sais quoi qui me troublait, et depuis un bon moment, pendant que je prononçais ce discours, j'étais tout décontenancé par crainte, comme dit Ibikos, que la faute commise à l'égard des dieux ne me vaille en retour de l'honneur chez les hommes. Mais maintenant, je me suis rendu compte de ma faute. Et que veux-tu dire? Il est terrible, Phèdre. Terrible, ce discours. Celui que tu as prononcé. Comment? Celui aussi que tu m'as forcé à prononcer. C'est une stupidité. Et sous un certain rapport, une impiété. Peut-il y avoir discours plus terrible? Mais non. Pourvu que ce que tu dis soit vrai. Quoi donc? Tu ne crois pas qu'Héros est le fils d'Aphrodite et que c'est un dieu? Mais c'est en tout cas ce qu'on dit. Pourtant, ce n'est pas ce que disent le discours de Lysias et le tien, celui que tu as prononcé par ma bouche après m'avoir drogué. Mais si, comme c'est le cas, Héros est un dieu ou quelque chose de divin, il ne saurait être quelque chose de mauvais. Or, les deux discours qui viennent d'être prononcés à son sujet l'ont présenté comme quelque chose de mauvais. Voilà leur faute à l'égard d'Héros. Et puis il y a la stupidité de ces deux discours, une stupidité toute civilisée. Eux qui ne disent rien de saint, rien de vrai non plus, ils prennent des airs solennels comme s'ils étaient quelque chose au cas où ils arriveraient à faire illusion à quelques pauvres bougres et à acquérir auprès d'eux une certaine réputation. C'est donc pour moi, mon ami, une nécessité de me purifier. Il y a, pour ceux qui commettent une faute en racontant un mythe, une antique purification dont Homère ne s'est point avisé, mais dont Stésichore a tenu compte, car, privé de sa vue pour avoir dit du mal d'Hélène, il sut à quoi s'en tenir à la différence d'Homère. Inspiré par les muses, il sut de quoi on l'accusait, et aussitôt il composa ses vers. « Il n'est pas conforme à la réalité, ce discours. Non, tu ne montas pas sur les nefs bien pontées. Non, tu ne vins pas à la citadelle de Troie. » Et dès qu'il eut achevé de composer l'ensemble de cette palinodie, comme on l'appelle, il recouva la vue sur le champ. Eh bien, moi, je serai plus malin que ces gens-là sur ce point-là, en tout cas, car avant de m'être puni pour avoir dit du mal d'Héros, je vais tâcher de lui offrir ma palinodie, la tête découverte, et non point, comme je l'étais tout à l'heure, encapuchonné parce que honteux. Ah, Socrate, tu ne pouvais rien me dire de plus agréable. Tu vois bien, mon cher Phèdre, quelle était l'impudence de ces deux discours, le mien et celui que tu as lu sur le rouleau de papyrus.
suppose en effet qu'il y ait pour nous entendre quelqu'un de caractère noble et bienveillant, et qui en soit ou qui ait déjà été l'amant de quelqu'un doué de pareilles qualités. Si nous déclarons que ceux qui aiment se laissent entraîner à une grande agressivité pour des motifs futiles, qu'ils sont jaloux des jeunes garçons qu'ils aiment et qu'ils leur font du tort, il croira, je suppose, entendre des gens élevés chez les matelots et qui n'ont jamais eu le spectacle d'un amour digne d'un homme libre. Et il s'en faudra de beaucoup pour qu'il soit d'accord avec nous sur les reproches que nous faisons à Eros. Ben, pardeuse, mais c'est bien possible, Socrate. Eh bien, moi, j'ai honte devant cet homme-là. Et j'ai peur d'Eros lui-même. Aussi, j'aspire à prononcer un discours qui soit une eau pure, qui me permette, pour ainsi dire, de me rincer la bouche. Quant à Lysias, je lui conseille d'écrire au plus vite sur l'obligation d'accorder à mérites égaux ses faveurs à celui qui aime plutôt qu'à celui qui n'aime pas. Eh bien, sois sûr qu'il en sera ainsi. Car quand tu auras prononcé l'éloge de l'amoureux, il faudra bien que je force Lysias à écrire à son tour un discours sur le même sujet. Sur ce point-là, je me fie à toi aussi longtemps que tu seras ce que tu es. Alors, parle en toute confiance. Où donc est passé ce jeune garçon à qui je parlais? Il doit entendre ce discours aussi, sinon il risque d'accorder, avant de l'avoir entendu, ses faveurs à celui qui n'aime pas. Il est tout près de toi, tout contre toi, toujours à tes côtés. Chaque fois que tu le désires. Eh bien, mon beau garçon, voici ce que tu dois te mettre dans l'esprit. Il n'est pas conforme à la vérité, le discours, qui déclare que si l'on a un amoureux, il faut de préférence accorder ses faveurs à celui qui n'aime pas, pour cette raison que le premier est fou, alors que le second est dans son bon sens. S'il était vrai, en effet, que la folie soit dans tous les cas un mal, ce serait bien parlé. Mais le fait est que les biens les plus grands nous viennent d'une folie qui est à coup sûr un don divin. Le fait est là. La prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone, c'est bien sous l'emprise de la folie qu'elles ont rendu de nombreux et éminents services aux Grecs. Alors que dans leur bon sens, elles n'ont à peu près rien fait. Une autre forme de possession et de folie est celle qui vient des muses. Lorsqu'elle saisit une âme tendre et vierge, qu'elle l'éveille et qu'elle la plonge dans une transe bachique qui s'exprime sous forme d'ode et de poésie de toutes sortes, elle fait l'éducation de la postérité, en glorifiant par milliers les exploits des anciens. Mais l'homme qui, sans avoir été saisi par cette folie dispensée par les muses, arrive aux portes de la poésie avec la conviction que, en fin de compte, l'art suffira à faire de lui un poète, celui-là est un poète manqué. De même, devant la poésie de ceux qui sont fous, s'efface la poésie de ceux qui sont dans leur bon sens. Tu vois tous les beaux effets, et ce ne sont point les seuls, que je suis en mesure de mettre au compte d'une folie dispensée par les dieux. Par conséquent, nous ne devons ni redouter cet état-là, ni nous laisser troubler par un discours qui tend à nous faire peur
en prétendant qu'il faut préférer à l'amour de l'homme passionné l'amour de celui qui est dans son bon sens. Eh bien, ce discours ne pourra pas revendiquer la victoire avant d'avoir de surcroît prouvé ceci. Ce n'est pas pour leur bien que les dieux envoient l'amour à l'amant et à l'aimé. Pour notre part, nous devons à l'inverse démontrer que c'est pour leur plus grand bonheur que cette forme de folie leur est donnée par les dieux. Sans doute cette démonstration ne convaincra-t-elle pas les esprits forts, mais elle convaincra les sages. Nous devons donc, en premier lieu, nous faire une conception juste de la nature de l'âme, aussi bien divine qu'humaine, en considérant ses états et ses actes. Pour dire ce qu'est l'âme, il faudrait une science divine, mais dire à quoi elle ressemble, voilà ce qui n'excède pas les possibilités humaines. Il faut donc se représenter l'âme comme une puissance composée par nature d'un attelage ailé et d'un cocher. Cela étant, chez les dieux, les chevaux et les cochers sont tous bons et de bonne race, alors que pour le reste des vivants, il y a mélange. Chez nous, premier point, celui qui commande est le cocher d'un équipage apparié. De ces deux chevaux, second point, l'un est beau et bon pour celui qui commande et d'une race bonne et belle, alors que l'autre est le contraire et d'une race contraire. Dès lors, dans notre cas, c'est quelque chose de difficile et d'ingrat que d'être cocher. Comment, dans ces conditions, se fait-il que l'être vivant soit qualifié de mortel et d'immortel ? Voilà ce qu'il faut tenter d'expliquer. Tout ce qui est âme a charge de tout ce qui est inanimé. Or, l'âme circule à travers la totalité du ciel, venant à y revêtir tantôt une forme, tantôt une autre. C'est ainsi que, quand elle est parfaite et ailée, elle chemine dans les hauteurs et administre le monde entier. Quand, en revanche, elle a perdu ses ailes, elle est entraînée jusqu'à ce qu'elle se soit agrippée à quelque chose de solide. Là, elle établit sa demeure, elle prend un corps de terre qui semble se mouvoir de sa propre initiative grâce à la puissance qui appartient à l'âme. Ce qu'on appelle vivant, c'est cet ensemble. Une âme et un corps fixés à elle, ensemble qui a reçu le nom de mortel. Quant au qualificatif immortel, il n'est aucun discours argumenté qui permette d'en rendre compte rationnellement. Il n'en reste pas moins que, sans en avoir une vision ou une connaissance suffisante, nous nous représentions un dieu. C'est un vivant immortel qui a une âme, qui a un corps, tous deux naturellement unis et pour toujours. Mais sur ce point, qu'il en soit et qu'on en parle comme il plaît à la divinité. Et maintenant, comprenons pourquoi l'âme a perdu ses ailes, pourquoi elles sont tombées. Voilà quelle peut être cette raison. La nature a donné à l'aile le pouvoir d'entraîner vers le haut ce qui est pesant. En l'élevant dans les hauteurs où la race des dieux a établi sa demeure, l'aile est, d'une certaine manière, la réalité corporelle qui participe le plus au divin. Or, le divin est beau, sage, bon, et possède toutes les qualités de cet ordre. En tout cas, rien ne contribue davantage que ces qualités à nourrir et à développer ce que l'âme a d'ailé, tandis que la laideur, le mal, et ce qui est le contraire des qualités précédentes, dégrade et détruit ce qu'il y a en elle d'ailé. Voici donc celui qui, dans le ciel, est l'illustre chef de file, Zeus. Conduisant son attelage ailé, il s'avance le premier, ordonnant toutes choses dans le détail et pourvoyant à tout. Le suit l'armée des dieux et des démons, rangée en 11 sections,
car Hestia reste dans la demeure des dieux, toute seule. Quant aux autres, tous ceux qui, dans ce nombre de 12, ont été établis au rang de chef de file, chacun tient le rang qui lui a été assigné. Cela étant, c'est un spectacle varié et béatifique qu'offrent les évolutions circulaires auxquelles se livre, dans le ciel, la race des dieux bienheureux, chacun accomplissant la tâche qui est la sienne, suivi par celui qui toujours le souhaite et le peut, car la jalousie n'a pas sa place dans le cœur des dieux. Or, chaque fois qu'ils se rendent à un festin, c'est-à-dire à un banquet, ils se mettent à monter vers la voûte qui constitue la limite intérieure du ciel. Dans cette montée, dès lors, les attelages des dieux, qui sont équilibrés et faciles à conduire, progressent facilement, alors que les autres ont de la peine à avancer, car le cheval en qui il y a de la malignité rend l'équipage pesant, le tirant vers la terre et alourdissant la main de celui des cochers qui n'a pas su bien le dresser. C'est là, sache-le bien, que l'épreuve et le combat suprême attendent l'âme. En effet, lorsqu'elles ont atteint la voûte du ciel, ces âmes qu'on dit immortelles passent à l'extérieur, s'établissent sur le dos du ciel, se laissent emporter par leur révolution circulaire et contemplent les réalités qui se trouvent hors du ciel. Ce lieu qui se trouve au-dessus du ciel, aucun poète parmi ceux d'ici-bas n'a encore chanté d'hymne en son honneur, et aucun ne chantera en son honneur un hymne qui en soit digne. Or, voici ce qui en est. Car, s'il se présente une occasion où l'on doive dire la vérité, c'est bien lorsque l'on parle de la vérité. Eh bien, l'être qui est sans couleur, sans figure, intangible, qui est réellement, l'être qui ne peut être contemplé que par l'intellect, le pilote de l'âme, l'être qui est l'objet de la connaissance vraie, c'est lui qui occupe ce lieu. Il s'ensuit que la pensée d'un Dieu qui se nourrit d'intellection et de connaissances sans mélange, et de même la pensée de toute âme qui se soucie de recevoir l'aliment qui lui convient, se réjouit lorsqu'après un long moment, elle aperçoit la réalité et que dans cette contemplation de la vérité, elle trouve sa nourriture et son délice jusqu'au moment où la révolution circulaire la ramène au point de départ. Or, pendant qu'elle accomplit cette révolution, elle contemple la justice en soi, elle contemple la sagesse, elle contemple la science, non celle à laquelle s'attache le devenir, ni non plus sans doute celle qui change quand change une de ces choses qu'au cours de notre existence actuelle nous qualifions de réelles, mais celle qui s'applique à ce qui est réellement la réalité. Et quand elle a, de la même façon, contemplé les autres réalités qui sont réellement, quand elle s'en est régalée, elle pénètre de nouveau à l'intérieur du ciel et revient à sa demeure. Lorsqu'elle est de retour, le cocher installe les chevaux devant leur mangeoire, y verse l'ambroisie, puis leur donne à boire le nectar. Voilà quelle est la vie des dieux. Passons aux autres âmes. Celle qui est la meilleure, parce qu'elle suit le dieu et qu'elle cherche à lui ressembler, a dressé la tête de son cocher vers ce qui se trouve en dehors du ciel, et elle a été entraînée dans le mouvement circulaire. Mais troublée par le tumulte de ses chevaux, elle a eu beaucoup de peine à porter ses yeux sur les réalités. Cette autre a tantôt levé, tantôt baissé la tête parce que ses chevaux la gênaient. Elle a aperçu certaines réalités, mais pas d'autres. Quant au reste des âmes, comme elles aspirent toutes à s'élever, elles cherchent à suivre, mais
Impuissantes, elles s'enfoncent au cours de leur révolution. Elles se piétinent, se bousculent, chacune essayant de devancer l'autre. Alors, le tumulte, la rivalité et l'effort violent sont à leur comble. Et là, à cause de l'impéritie des cochers, beaucoup d'âmes sont estropiées. Beaucoup voient leur plumage gravement endommagé. Mais toutes, recrues de fatigue, s'éloignent sans avoir été initiées à la contemplation de la réalité. Et lorsqu'elles se sont éloignées, elles ont l'opinion pour nourriture. Pourquoi faire un si grand effort pour voir où est la plaine de la vérité ? Parce que la nourriture qui convient à ce qu'il y a de meilleur dans l'âme se tire de la prairie qui s'y trouve, et que l'aile à quoi l'âme doit sa légèreté y prend ce qui la nourrit. Voici maintenant le décret d'Adastré. Toute âme qui, faisant partie du cortège d'un dieu, a contemplé quelque chose de la vérité, reste jusqu'à la révolution suivante exempte d'épreuves, et si elle en est toujours capable, elle reste toujours exempte de dommages. Mais, quand incapable de suivre comme il faut, elle n'a pas accédé à cette contemplation, quand, ayant joué de malchance, gorgée d'oubli et de perversion, elle s'est alourdie, et quand, entraînée par ce poids, elle a perdu ses ailes et qu'elle est tombée sur terre, alors une loi interdit qu'elle aille s'implanter dans une bête de la première génération. Cette loi stipule par ailleurs que l'âme qui a eu la vision la plus étendue ira s'implanter dans une semence qui produira un homme destiné à devenir quelqu'un qui aspire au savoir, au beau, quelqu'un qu'inspirent les muses et Eros. Que la seconde, en ce domaine, ira s'implanter dans une semence qui produira un roi soumis à la loi, qui est doué pour la guerre et pour le commandement. Que la troisième ira s'implanter dans une semence qui produira un homme politique, qui gère son domaine, qui cherche à faire de l'argent. Que la quatrième ira s'implanter dans une semence qui produira un homme qui aime l'effort physique, quelqu'un qui entraîne le corps ou le soigne. Que la cinquième ira s'implanter dans une semence qui produira un homme qui aura une existence de devin ou de praticien d'initiation. À la sixième correspondra un poète ou tout autre homme qui s'adonne à l'imitation. À la septième, le démiurge et l'agriculteur. À la huitième, le sophiste ou le démagogue. À la neuvième, le tyran. Dans toutes ces incarnations, l'homme qui a mené une vie juste reçoit un meilleur lot, alors que celui qui a mené une vie injuste en reçoit un moins bon. En effet, chaque âme ne revient à son point de départ qu'au bout de 10 000 ans, car l'âme ne reçoit pas d'elle avant tout ce temps, exception faite pour l'homme qui a aspiré loyalement au savoir ou qui a aimé les jeunes gens pour les faire aspirer au savoir. Lorsqu'elles ont accompli 3 révolutions de 1 000 ans, chacune, les âmes de cette sorte, si elles ont choisi 3 fois de suite ce genre de vie, se trouvent pour cette raison pourvues d'elles, et à la 3 000e année, elles s'échappent. Les autres, à la fin de leur première vie, passent en jugement. Le jugement rendu, les unes vont purger leur peine dans les prisons qui se trouvent sous la terre, tandis que les autres, allégées par l'arrêt de la justice, vont en un lieu céleste, où elles mènent une vie qui est digne de la vie qu'elles ont menée lorsqu'elles avaient une forme humaine. Après 1 000 ans, les unes et les autres reviennent tirer au sort et choisir leur 2e vie. Chacune choisit à son gré. À partir de là, l'âme d'un homme peut aussi aller s'implanter dans le corps d'une bête. Et inversement, celui qui fut un homme un jour peut, de bête, redevenir un homme. De toute façon, l'âme qui n'a jamais vu la vérité ne peut prendre l'aspect qui est le nôtre. Il faut en effet que l'homme arrive à saisir ce qu'on appelle forme intelligible en allant d'une pluralité de sensations vers l'unité qu'on embrasse au terme d'un raisonnement. Or, s'il s'agit là d'une réminiscence des réalités jadis contemplées par notre âme, quand elles accompagnaient le Dieu dans son périple,
quand elle regardait de haut ce que, à présent, nous appelons être, et qu'elle levait la tête pour contempler ce qui est réellement. Aussi est-il juste assurément que seule est des ailes la pensée du philosophe, car les réalités auxquelles elle ne cesse, dans la mesure de ses forces, de s'attacher par le souvenir, ce sont justement celles qui, parce qu'on s'y attache, parce qu'il s'y attache, font qu'un dieu est un dieu. Mais bien sûr, l'homme qui fait un usage correct de ce genre de remémoration est le seul qui puisse, parce qu'il est toujours initié au mystère parfait, devenir vraiment parfait. Mais comme il s'est détaché de ce à quoi tiennent les hommes et qu'il s'attache à ce qui est divin, la foule le prend à partie en disant qu'il a perdu la tête, alors qu'il est possédé par un dieu, ce dont la foule ne se rend pas compte. Voilà donc où en vient tout ce discours, sur une ultime forme de folie. En voyant la beauté d'ici-bas, et en se remémorant la vraie beauté, on prend des ailes, et pourvu de ces ailes, on éprouve un vif désir de s'envoler sans y arriver, quand, comme l'oiseau, on porte son regard vers le haut et qu'on néglige les choses d'ici-bas. On a ce qu'il faut pour se faire accuser de folie. Conclusion. De toutes les formes de possession divine, celle-là est la meilleure et résulte des causes les meilleures, aussi bien pour celui qui l'éprouve lui-même que pour celui qui y est associé. Et c'est parce qu'il a part à cette forme de folie que celui qui aime les beaux garçons est appelé amoureux du beau. Comme je l'ai dit, en effet, toute âme humaine a par nature contemplé l'être, sinon elle ne serait pas venue dans le vivant dont je parle. Or, se souvenir de ces réalités-là à partir de celles d'ici-bas n'est chose facile pour aucune âme. Ce ne l'est ni pour toutes celles qui n'ont eu qu'une brève vision de ces choses de là-bas, ni pour celles qui, après leur chute ici-bas, ont eu le malheur de se laisser tourner vers l'injustice par on ne sait quel... Elles ne se possèdent plus. Elles ne savent pas à quoi s'en tenir sur ce qu'elles éprouvent, faute d'en avoir une perception suffisante. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que la justice, la sagesse et tout ce qu'il peut y encore y avoir de précieux pour l'âme... Tout cela perd son éclat dans ce qui se trouve ici-bas en être l'image. Voilà pourquoi seul un petit nombre d'êtres humains arrivent, non sans difficulté, car ils se servent d'organes qui ne donnent pas des choses une représentation nette, à contempler à travers des images, à travers les images de ces réalités, les airs de famille qui y subsistent. La beauté, elle, était resplendissante à voir. En ce temps où, mêlé à un cœur bienheureux, nous, à la suite de Zeus et d'autres, à la suite d'un autre dieu, nous en avions une vision bienheureuse et divine. En ce temps où nous étions initiés à cette initiation dont il est permis de dire qu'elle mène à la béatitude suprême. Cette initiation, nous la célébrions dans l'intégrité de notre nature, à l'abri de tous les maux qui nous attendaient dans le temps à venir. Intègre, simple, immuable et bienheureuse étaient les apparitions dont nous étions comblés en tant que mystes et poptes, car dans une lumière pure, nous étions purs, nous ne portions pas la marque de ce tombeau que sous le nom de corps, nous promenons à présent avec nous, attachés à lui comme l'huître à sa coquille. Le souvenir mérite sans doute cet hommage, mais en nous donnant le regret de ce passé, il vient de nous faire parler trop longuement. Revenons à la beauté. Comme nous l'avons dit, elle resplendissait au milieu de ses apparitions. Et c'est elle encore que, après être revenue ici-bas, nous saisissons avec celui de nos sens qui fournit les représentations les plus claires, brillant elle-même de la plus intense clarté.
En effet, la vision est la plus aiguë des perceptions qui nous viennent par l'intermédiaire du corps, mais la pensée ne peut être perçue par la vue. Quels terribles amours, en effet, ne susciteraient pas la pensée si elle donnait à voir d'elle-même une image sensible qui fût claire, et s'il en allait de même pour toutes les autres réalités qui suscitent l'amour. Mais non, seule la beauté a reçu en l'eau le pouvoir d'être ce qui se manifeste avec le plus d'éclat et ce qui suscite le plus d'amour. À la vérité, celui qui n'est pas un initié de fraîche date ou qui s'est laissé corrompre, celui-là n'est pas vif à se porter d'ici vers là-bas, c'est-à-dire vers la beauté en soi, quand, dans ce monde-ci, il contemple ce à quoi est attribuée cette appellation. Aussi n'est-ce point avec vénération qu'il porte son regard dans cette direction. Au contraire, s'abandonnant au plaisir, il se met en devoir, à la façon d'une bête à quatre pattes, de saillir, d'éjaculer, et se laissant aller à la démesure, il ne craint ni ne rougit de poursuivre un plaisir contre nature. En revanche, celui qui est un initié de fraîche date, celui qui a les yeux pleins des visions de jadis, celui-là, quand il lui arrive de voir un visage d'aspect divin, qui est une heureuse imitation de la beauté ou la forme d'un corps, commence par frissonner et quelque chose lui revient de ses angoisses de jadis. Puis, il tourne son regard vers cet objet. Il le vénère à l'égal d'un dieu. Et s'il ne craignait de passer pour complètement fou, il offrirait au jeune garçon des sacrifices, comme à la statue d'un dieu, comme à un dieu. Or, en l'apercevant, il frissonne, et ce frisson, comme il est naturel, produit en lui une réaction. Il se couvre de sueur, car il éprouve une chaleur inaccoutumée. En effet, lorsque, par les yeux, il a reçu les effluves de la beauté, alors il s'échauffe et son plumage s'en trouve vivifié. Et cet échauffement fait fondre la matière dure qui, depuis longtemps, bouchait l'orifice d'où sortent les ailes, les empêchant de pousser. Par ailleurs, l'afflux d'aliments a fait, à partir de la racine, gonfler et jaillir la tige des plumes sur toute la surface de l'âme. En effet, l'âme était jadis tout emplumée. La voilà donc à présent qui tout entière bouillonne, qui se soulève et qui éprouve le genre de douleur que ressentent les enfants qui font leurs dents. Les dents qui percent provoquent une démangeaison, une irritation des gencives, et c'est bien le genre de douleur que ressent l'âme de celui dont les ailes commencent à pousser. Elle est en ébullition, elle est irritée, chatouillée pendant qu'elle fait ses ailes. Chaque fois donc, posant ses regards sur la beauté du jeune garçon et recevant de cet objet des particules qui s'en détachent pour venir vers elle, d'où l'expression vague du désir, l'âme est vivifiée et réchauffée, elle se repose de sa souffrance et elle est toute joyeuse. Mais quand elle se trouve seule et qu'elle se flétrit, les orifices des conduits par où jaillissent les plumes se dessèchent tous en même temps. Et parce qu'ils sont fermés, bloquent la première pousse de la plume. Or, cette pousse emprisonnée avec le désir palpite comme un pouls qui bat fort. Elle vient frapper contre ce qui obstrue les orifices, et cela orifice par orifice, si bien que l'âme, aiguillonnée de toutes parts, est transportée de douleur. Mais parce que le souvenir de la beauté lui revient, elle est toute joyeuse. Le mélange de ces deux sentiments la tourmente. Elle enrage de se trouver démunie devant cet état qui la déroute. Et prise de folie, elle ne peut ni dormir la nuit, ni rester en place le jour, mais sous l'impulsion du désir, elle court là où, se figure-t-elle, elle pourra voir celui qui possède la beauté. Quand elle l'a aperçu,
quand elle a laissé pénétrer en elle la vague du désir, elle dégage les issues, naguère obstruées. Elle a repris son souffle, et pour elle, c'en est fini des piqûres et des douleurs de l'enfantement. Pour le moment, elle cueille tout au contraire le plaisir le plus délicieux. De cet état, elle ne sort pas de son plein gré. Elle ne met rien au-dessus de ce bel objet. Mère, frère, camarade, tous sont oubliés. La fortune qu'elle perd par son incurie ne compte pour rien à ses yeux. Les usages et les bonnes manières qu'auparavant elle se faisait gloire d'observer, elle les dédaigne tous. Elle est prête à l'esclavage. Elle est prête à dormir, là où on la laissera dormir, pourvu que ce soit le plus près possible de l'objet de son désir. Non contente en effet de vénérer celui qui possède la beauté, c'est en lui seul qu'elle a trouvé le médecin de ses maux les plus grands. Cet état-là, beau garçon à qui s'adresse ce discours, les hommes l'appellent Eros, tandis que le nom que lui donnent les dieux te fera à bon droit rire quand je te l'aurai fait entendre, car tu es jeune. Certains homérides citent, je crois, ces vers sur Eros qu'ils tirent de leurs réserves. Le second de ces vers est tout à fait irrévérencieux et ne respecte même pas la métrique. Voici l'hymne qu'ils chantent. Les mortels l'appellent Eros, le qualifiant de Poténos, celui qui vole, tandis que les immortels l'appellent Pteros, celui qui a des ailes, car il donne forcément des ailes. On peut bien croire cela, mais on peut aussi ne pas le croire. En tout cas, pour ce qui est de la cause et de l'effet, c'est bien ce dont font l'expérience ceux qui aiment. Poursuivons. Si celui qui s'est fait prendre fait partie du cortège de Zeus, il est capable de supporter avec la fermeté la plus grande le poids du dieu ailé. Mais tous ceux qui furent les serviteurs d'Arès et tous ceux qui l'ont accompagné dans sa révolution, quand Eros s'empare d'eux et qu'ils s'imaginent avoir été injustement traités par leur bien-aimé, ceux-là ont le goût de tuer et sont prêts à se sacrifier eux-mêmes avec le jeune garçon. Et ainsi, chacun passe sa vie à honorer et à imiter autant qu'il le peut le dieu dont il a suivi le cœur. Aussi longtemps qu'il n'est pas corrompu et qu'il en est à sa première génération ici-bas, c'est de cette manière qu'il se comporte et qu'il se conduit avec ses bien-aimés et avec les autres. Ainsi donc, en ce qui concerne l'amour des beaux garçons, chacun choisit selon ses dispositions et comme s'il s'en faisait un dieu, il lui élève une statue qui l'orne pour l'honorer et célébrer son mystère. Ceux-là donc, dis-je, qui dépendent de Zeus, cherchent pour bien-aimé quelqu'un dont l'âme serait celle d'un Zeus. Aussi examine-t-il si par nature il aspire au savoir et s'il a le goût du commandement. Et qu'en l'ayant trouvé, ils en sont épris, ils font tout pour qu'il soit conforme à ce modèle. Or, si c'est là une occupation dans laquelle ils ne se sont pas encore engagés, ils s'y appliquent, s'instruisent là où ils le peuvent et se mettent eux-mêmes en chasse. Et lorsqu'ils sont sur la piste, ils arrivent à découvrir par leurs propres moyens la nature du dieu qui est le leur, parce que c'est pour eux une nécessité de tenir leur regard tendu vers ce Dieu. Puis, quand par le souvenir ils l'atteignent, ils sont possédés par le Dieu et ils lui empruntent son comportement et son activité, pour autant qu'il est possible à un homme d'avoir part à la divinité. Ce résultat, bien entendu, c'est au bien-aimé qu'ils en attribuent le mérite et ils l'enchérissent encore plus. S'ils puisent à la source de Zeus, pareil aux bacchantes, ils reversent ce qu'ils y ont puisé sur l'âme de leur bien-aimé et le rendent ainsi le plus possible semblable au Dieu qui est le leur. Tous ceux, par ailleurs, qui suivaient le cortège d'Héra cherchent un bien-aimé ayant le naturel d'un roi et quand ils l'ont trouvé, ils agissent avec lui exactement de la même façon. Ceux qui relèvent d'Apollon et de chacun des autres dieux règlent leur marche sur la sienne et cherchent un jeune compagnon dont le naturel lui soit assorti.
Et quand ils l'ont trouvé, imitant alors eux-mêmes le Dieu, ils conseillent et disciplinent leur bien-aimé pour l'amener à se conformer à la conduite et à la nature du Dieu dans la mesure de ses capacités. Nulle jalousie, nulle mesquinerie malveillante non plus à l'égard du garçon qu'ils aiment. Bien au contraire, ils font porter tous leurs efforts à l'amener à ressembler le plus possible en tout et pour tout à eux-mêmes et au Dieu qu'ils honorent. Concluons. L'aspiration des vrais amants et leur initiation, si du moins ils arrivent à réaliser leurs aspirations en pratiquant l'initiation dont je parle, présente cette beauté-là et apporte le bonheur à celui qui est aimé par un amant qu'Eros rend fou, à condition qu'il ait été conquis. Or, voici de quelle manière se laisse prendre celui qui a été conquis. Rappelons-nous. Au commencement de ce mythe, nous avons dans chaque âme distingué trois éléments, deux qui ont la forme d'un cheval et un troisième qui a l'aspect d'un cocher. Gardons en tête cette image. Voici donc que, de ces chevaux, l'un, disons-nous, est bon et l'autre non. Mais nous n'avons pas expliqué en quoi consiste l'excellence du bon ou le vice du mauvais. C'est ce qu'il nous faut dire à présent. Eh bien, le premier des deux, celui qui tient la meilleure place, a le port droit, il est bien découplé, il a l'encolure haute, la ligne du naseau légèrement recourbée. Sa robe est blanche, ses yeux sont noirs, il aime l'honneur en même temps que la sagesse et la pudeur, il est attaché à l'opinion vraie. Nul besoin pour le cocher de le frapper pour le conduire, l'encouragement et la parole suffisent. Le second, au contraire, est de travers, massif, bâti on ne sait comment. Il a l'encolure épaisse, sa nuque est courte et sa face camarde. Sa couleur est noire et ses yeux gris injectés de sang. Il a le goût de la démesure et de la vantardise. Ses oreilles sont velues, il est sourd et c'est à peine s'il obéit au fouet garni de pointes. Lors donc que le cocher, voyant apparaître l'objet de son amour, et sentant la chaleur qui s'est répandue dans toute son âme, s'est laissé envahir par le chatouillement et les aiguillons du désir, alors celui des chevaux qui obéit au cocher se contraint comme toujours à la pudeur et se retient de bondir sur l'aimé. Mais l'autre, qui ne se soucie plus ni de l'aiguillon du cocher ni des pointes du fouet, s'élance d'un bond violent, donnant toutes les peines du monde à son compagnon d'attelage et à son cocher, il les contraint à se porter vers le garçon et à lui rappeler combien sont délicieux les plaisirs d'Aphrodite. Au début, tous deux résistent et s'indignent qu'on les oblige à faire quelque chose de terrible et qui est contraire à la loi. Mais à la fin, quand le mal ne connaît plus de bornes, ils se laissent entraîner et consentent à faire ce à quoi on les invite. Les voilà donc tout près de lui. Ils contemplent le corps du garçon, qui resplendit comme un astre. À cette vue, la mémoire du cocher s'est portée vers la nature de la beauté. Il l'a revue, dressée à côté de la sagesse et debout sur son piédestal sacré. Cette vision l'a remplie de crainte et de respect. Il se renverse en arrière. Du coup, il a été forcé de tirer par-devers lui les rênes avec une vigueur telle qu'il fait s'abattre les deux chevaux sur leur croupe. L'un sans contrainte, parce qu'il ne résiste pas, l'autre que submerge la démesure en le contraignant durement. Tandis qu'ils s'éloignent tous les deux, l'un de honte et d'effroi, mouille de sueur l'âme tout entière, alors que l'autre, une fois passée la douleur que lui ont causé le mort et la chute, n'a pas encore repris son souffle que de colère. Il se répand en invective, abreuvant de reproches le cocher et son compagnon d'attelage, sous prétexte que par lâcheté et par pusillanimité, ils ont abandonné leur poste et n'ont pas tenu leur parole. En dépit de leur refus, il veut les contraindre à revenir à la charge. Ils ont, en le suppliant, toutes les peines du monde à obtenir de lui qu'on remette la chose à une autre fois. Quand arrive le moment convenu, comme ils font tous deux mine d'avoir oublié, ils leur rappellent la chose. Les harcèlent, émis, tirent et les forcent à s'approcher de nouveau du bien-aimé pour lui faire les mêmes propositions.
Et une fois qu'ils sont près de lui, il avance la tête, il déploie sa queue, mord le frein et tire sans vergogne. Mais le cocher, encore plus ému cette fois-ci, se rejette en arrière, comme s'il avait devant lui une corde, tire encore plus violemment le frein du cheval emporté par la démesure, l'arrache de ses dents, fait saigner la langue injurieuse et ses mâchoires, et forçant ses jambes et sa croupe à toucher terre, il le livre aux douleurs. Or, quand, traitée plusieurs fois de la même façon, la bête vicieuse a renoncé à la démesure, elle suit désormais l'échine basse, la décision réfléchie du cocher. Et lorsqu'elle aperçoit le bel objet, elle meurt d'effroi. Il en résulte que l'âme de l'amoureux est, dès lors, remplie de réserve autant que de crainte lorsqu'elle suit le garçon. Voilà donc que ce dernier devient, à l'égal d'un dieu, l'objet d'une dévotion sans bornes. Son amant ne simule pas, il est véritablement épris. Et l'aimé, de son côté, se prend naturellement d'amitié pour celui qui est à sa dévotion. Supposons en outre qu'auparavant des camarades ou d'autres personnes l'aient circonvenu en lui disant qu'il est honteux d'approcher quelqu'un qui est amoureux et que pour cette raison il repousse celui qu'il aime. Du temps a passé et la force des choses l'a amené, lui qui a pris de l'âge, à admettre dans son entourage celui qu'il aime. Jamais, en effet, le destin n'a permis qu'un méchant fût l'ami d'un méchant et qu'un homme de bien ne pût être l'ami d'un homme de bien. Or, une fois qu'il l'admet près de lui, qu'il accepte de l'écouter et d'entretenir des relations avec lui, la bienveillance de l'amant se manifeste de plus près et trouble le bien-aimé, qui se rend compte que la part d'affection que tous les autres réunis, amis aussi bien que parents, lui dispensent, n'est rien si on la compare à celle que procure l'ami possédé par un dieu. Quand l'amoureux persévère dans cette conduite et qu'il approche le bien-aimé, en y ajoutant le contact physique que favorisent les gymnases et les autres lieux de réunion, le flot jaillissant dont j'ai parlé, et que Zeus appela « désir » quand il aimait Ganymède, se porte en abondance vers l'amoureux. Une part pénètre en lui, et lorsqu'il est rempli, le reste coule au dehors. Et de même qu'un souffle ou un son, renvoyé par des objets lisses et solides, reviennent à leur point de départ, ainsi le flot de la beauté revient vers le beau garçon, en passant par ses yeux, lieu de passage naturel vers l'âme. Il y parvient, la remplit et dégage les passages par où jaillissent les ailes qu'il fait pousser. Et c'est au tour de l'âme du bien-aimé d'être remplie d'amour. Le voilà qui aime, mais il est bien en peine de dire quoi. Il ne comprend pas ce qu'il éprouve, et il ne peut pas en rendre raison non plus. Comme quelqu'un qui a attrapé une ophtalmie de quelqu'un d'autre, il ne peut effectivement déterminer la cause de son émoi et il oublie qu'il se voit lui-même dans son amoureux comme dans un miroir. Et lorsque l'autre est là, il cesse comme lui de souffrir. Mais lorsque l'autre est absent, le regret qu'il ressent et celui qu'il inspire se confondent. Et il éprouve le contre-amour, image réfléchie de l'amour. Mais il n'appelle pas cela amour et il ne s'imagine pas qu'il s'agit de cela. Il n'y voit qu'amitié. Il désire à peu près comme l'autre, mais plus faiblement, voir, toucher, aimer et partager la même couche. Dès lors, il y a bien des chances pour qu'il ne tarde pas à le faire. Tandis donc qu'ils sont étendus côte à côte, le cheval de l'amoureux, qui est indiscipliné, a quelque chose à dire à son cocher. En échange de toutes ses peines, il demande une petite compensation. Pour sa part, celui du garçon n'a rien à dire, mais gonflé de désir et bien en peine d'en comprendre la raison, il entoure de ses bras celui qui est amoureux de lui, et il l'aime dans l'idée qu'il témoigne son affection à quelqu'un qui lui veut grand bien.
Et chaque fois qu'ils sont étendus côte à côte, il est prêt, pour sa part, à ne pas refuser ses faveurs à l'amoureux, au cas où ce dernier lui en ferait la demande. Mais, d'un autre côté, son compagnon d'attelage se joint au cocher pour s'y opposer au nom de la réserve et de la raison. Supposons pour l'instant que l'emporte ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit, la tendance qui conduit à un monde de vie réglé et qui aspire au savoir. Bienheureuse et harmonieuse est l'existence qu'ils passent ici-bas, eux qui sont maîtres d'eux-mêmes et réglés dans leur conduite, eux qui ont réduit en esclavage ce qui fait naître le vice dans l'âme et qui ont libéré ce qui produit la vertu. À la fin de leur vie donc, soulevés par leurs ailes et devenus légers, ils sortent vainqueurs de l'une des trois manches de cette sorte de lutte qui vaut bien celle qui compte parmi les compétitions des Jeux Olympiques. Et ni la sagesse humaine ni la folie divine ne peuvent procurer à un homme plus grand bien. Supposons maintenant qu'ils aient au contraire mené une vie grossière qui aspirait non au savoir mais aux honneurs. Sans doute pourra-t-il arriver que, sous l'effet de l'ivresse ou dans un autre moment d'abandon, les chevaux indisciplinés des deux attelages s'entendent parce qu'ils ont trouvé des âmes qui ne sont pas sur leur garde pour les conduire au même but. Ils choisissent ainsi, au jugement du grand nombre, la plus grande félicité et arrivent à leur fin. L'affaire consommée, ils y reviennent encore, mais rarement, car cette pratique n'est pas approuvée par l'esprit tout entier. Amis, ils le sont sans doute, sans aucun doute, eux aussi. Moins pourtant que les premiers. C'est l'un pour l'autre qu'ils vivent, aussi bien pendant la durée de leurs amours qu'après en être sortis, convaincus d'avoir donné et reçu l'un de l'autre les gages de fidélité les plus grands, ceux qu'il n'est pas permis de renier pour en venir un jour à être ennemis. Or, au terme de leur vie, c'est sans elle que, non sans avoir essayé de voler, ils abandonnent leur corps. Aussi n'est-il pas de mince valeur le prix qui récompense leur folie amoureuse. Ce n'est plus, en effet, vers les ténèbres, ni pour le voyage qui se fait sous la terre, que comme le veut la loi, partent ceux qui ont déjà commencé le voyage qui se fait sous la voûte du ciel. La loi veut, au contraire, qu'ils mènent une existence lumineuse, qu'ils soient heureux de faire ce voyage l'un en compagnie de l'autre, et qu'ensemble, parce qu'ils s'aiment, ils reçoivent des ailes quand celles-ci seront données. Voilà, mon garçon, l'importance et l'exceptionnelle divinité des biens que te procurera l'amour d'un homme qui t'aime. Mais la liaison que propose un homme qui n'aime pas, liaison mêlée de sagesse mortelle et qui ne procure qu'avec parcimonie des biens mortels, n'enfantera dans l'âme de l'aimer qu'un esclavage dont la foule fait éloge en la considérant comme une vertu et la fera rouler pendant 9000 ans autour de la terre et sous la terre, privée de raison. Voilà, cher Eros, la palinodie la meilleure et la plus belle et que nous ayons pu t'offrir en expiation. À tous égards, et notamment pour le vocabulaire, l'éloquence en est d'un tour poétique, ce qui répond à l'exigence de Phèdre. Eh bien, pardonne à mon premier discours, accueille avec faveur celui-ci, sois bienveillant et propice. Cette science de l'amour que tu m'as accordée, ne me la retire pas. Ne va pas par colère la rendre infirme. Accorde-moi plutôt d'être, plus encore que maintenant, prisé par les beaux garçons. Ici, dans le passé, nous avons, Phèdre et moi, tenu quelques propos trop durs sur toi. C'est Lysias, le père de ce sujet, que tu dois incriminer. Retiens-le de tenir de tels propos. Tourne-le plutôt vers la philosophie, comme son frère Polémarque, afin que son amoureux, ici présent, ne soit plus comme maintenant déchiré entre deux parties, mais que, sans partage, il emploie son existence à rendre hommage à Eros,
en des propos qu'inspire la philosophie. J'unis ma prière à la tienne, Socrate, pour que ce vœu se réalise, si c'est notre avantage. Quant à ton discours, il y a beau temps que je l'admire. Il est tellement plus beau que le premier. Aussi ai-je peur que Lysias ne paraisse bien plat. Si d'aventure il consentait avec un autre discours à se mesurer au tien.